Alléluia. Shalom, béni le Seigneur. Je te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui peux me suivre maintenant, là où tu te trouves, partout dans le monde. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Nous sommes toujours dans notre programme, l'école du Saint-Esprit. Et nous allons aujourd'hui étudier encore quelques versets de la Bible pour nous aider à acquérir encore quelque chose de la part de l'Éternel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aujourd'hui étudier 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, partie du premier verset jusqu'au verset 3 aussi. Je lis la parole du Seigneur. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et les disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Père, nous te bénissons pour ce moment qu'on va partager ta parole. Que ton Esprit Saint puisse nous aider à recevoir quelque chose, à bénéficier quelque chose à travers cette exhortation. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Ok. Comme j'ai dit, nous allons étudier le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Là, on vient de lire que l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Il leur disait qu'il leur parle, pas comme des hommes spirituels, mais comme des personnes charnelles. Comme les hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des enfants en Christ. Donc, ça veut dire, en Christ, il y a des enfants, il y a aussi ceux qui sont déjà devenus matures, ceux qui ont grandi. Donc, Dieu a besoin que nous puissions commencer à grandir dans notre vie spirituelle. Donc, nous allons voir un peu ces versets. Nous allons étudier un peu ces versets. Je vais encore les relire. Il dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Donc, il ne les a pas parlé comme à des hommes spirituels, mais ils étaient les chrétiens. Ils étaient les enfants de Dieu. Que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Cela veut dire quoi? Je vous ai donné du lait, mais non de la nourriture solide. Qui veut dire? Il y a des choses en Christ, il y a des exhortations en Christ, ou il y a des conseils en Christ dans la vie chrétienne qu'on donne à des personnes qu'on sent qu'ils sont déjà matures, qui ont grandi dans la vie spirituelle. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la religion, ou le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est une relation entre l'homme et Dieu et son Dieu. Donc Dieu, par son Esprit Saint, est venu habiter en nous. Nous sommes devenus ses temples. La Bible dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, de son Esprit. Et quand nous acceptons Seigneur Jésus-Christ dans la vie, nous rentrons dans cette vie chrétienne et nous commençons notre marche chrétienne. Ça dépend de nous maintenant de grandir selon notre communion avec le Maître, selon notre communion avec son Esprit Saint qui habite en nous. Et ça dépend pas de Dieu, mais ça dépend que de nous. Notre niveau de la vie spirituelle, notre niveau de la vie en Christ dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. Parce que c'est à nous de s'approcher de lui. Lui, il est là toujours, prêt à nous recevoir, prêt à nous donner des choses plus grandes. Mais ils attendent que nous puissions devenir prêts à recevoir. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui est encore un bébé, qui a de la vie naturelle, qui a encore 1 an, 2 ans. On ne peut pas lui donner la nourriture qu'on donne à un papa de 30, 40, 50 ans, non. Donc, un enfant qui est encore bébé, on lui donne du lait. C'est comme ça, c'est de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on explique simplement aux personnes qu'on sent qui sont encore des enfants, qui n'ont pas encore grandi. Et comment on sent ce genre de choses? C'est à travers ta vie,
à travers comment il fonctionne. Vous comprenez? Là, il leur dit dans les versets 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas selon l'homme, cela veut dire que vous continuez à marcher encore comme des païens. Vous marchez encore comme des hommes qui ne sont pas encore en Christ. Par contre, vous êtes déjà en Christ. Mais parmi vous, il y a encore des disputes, de la jalousie, de la haine, des choses charnelles. Vous comprenez? Parce que quand on grandit, on commence à dépasser ce genre de stade. On commence à rentrer dans une autre dimension. Et là aussi, on peut communiquer, ou l'apôtre peut communiquer avec vous dans les dimensions où vous êtes. Car il sait que non, vous pouvez recevoir des choses dans le niveau où vous êtes. Mais par contre, si vous êtes encore charnel, si parmi vous il y a encore des disputes, des jalousies, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir des choses grandes. Ce qu'il a dit que non, je vous donne du lait et non de la nourriture solide. Vous comprenez? Donc, l'homme charnel que l'apôtre parle ici, ce n'est pas des païens, comme je peux dire, mais ce sont des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Vous comprenez? Parce que ces gens-là devaient déjà atteindre, arriver à une étape supérieure dans la vie spirituelle. Parce qu'ils étaient déjà en Christ depuis longtemps. Ils étaient déjà devenus des enfants de Dieu depuis longtemps, on peut dire. Donc on peut même dire, on peut même lire dans Hébreux chapitre 5, verset 12, c'est que la Bible nous dit, vous qui devez être des maîtres, vous qui depuis longtemps vous devez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Donc il veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions devenir des maîtres. Car il dit que non, un disciple accompli est comme le maître, est comme son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître. Et quand on suit bien les enseignements d'un maître, quand on commence à grandir, on devient égal à son maître. On devient comme le maître. C'est comme ça aussi que non, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 13, nous dit que non, Dieu veut que nous puissions grandir, nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ, que nous puissions devenir comme les maîtres. C'est ça. Si vous comprenez encore bien les Écritures, si vous lisez encore bien les Écritures, vous allez voir que non, un jour, Jésus-Christ disait à ses disciples, parce qu'il n'avait pas pu délivrer un enfant qui était malade, et quand Jésus-Christ maintenant a eu à délivrer cet enfant, il a dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Donc cela veut dire que non, Jésus-Christ les formait comme les disciples pour afin qu'ils puissent devenir un jour comme lui, comme des maîtres, pour qu'ils puissent commencer à faire des choses que lui il faisait. Et c'est pareil pour nous tous les chrétiens, pour nous tous, mes frères et sœurs. Nous sommes tous devenus des enfants de Dieu, nous sommes tous devenus des disciples de Jésus-Christ. Et la Bible veut que la parole de Dieu, où Dieu veut que nous puissions grandir dans cette vie spirituelle. Et ici, l'apôtre leur dit que non, vous êtes encore charnel. Depuis longtemps, vous devez devenir des maîtres. Vous comprenez? Dans l'église de Corinthe, était remplie de dons spirituels. Parce que ce n'était pas des nouveaux convertis, c'était des personnes qui connaissaient la parole de Dieu, qui savaient faire des choses pour la gloire de Dieu, mais ils étaient encore charnels. Vous comprenez? Ces gens-là étaient encore charnels. On peut encore voir vite dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4 à 7, la Bible dit ceci. L'apôtre leur dit ceci. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, ils avaient la connaissance, ils avaient comblé de la parole et de la connaissance de l'œuvre de Dieu. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils avaient quelque chose de Dieu. Ils savaient faire l'œuvre de Dieu. Donc, juste pour savoir que non, même si nous avons des dons, ce n'est pas ça qui fait de nous des matures dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ça qui fait de nous des grands.
dans le domaine spirituel. L'église de Corinthe ou les Corinthiens étaient charnels, étaient des enfants en Christ, comme l'apôtre l'a dit ici, dans le chapitre 3, premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ils étaient encore des enfants, mais ils avaient des dons. Donc, vous pouvez avoir des dons, mais si vous avez encore en vous de la haine, de la jalousie, des disputes, qu'il y a encore des disputes parmi vous, c'est que vous êtes encore un enfant. Vous devez dépasser cette étape-là. Vous devez grandir en Christ. C'est pour cela que Paul voulait que les Corinthiens puissent quitter ce stade-là d'enfance. Il leur dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23, il leur dit ceci, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Vous comprenez? Parce qu'ils étaient arrivés jusqu'à un niveau où ils commençaient à se disputer comme on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu. Ils prennent leur pasteur, ils prennent ou leur chef, les chefs de leurs églises locales, je peux dire, comme s'ils sont des plus grands parmi les autres. Or, ce n'est pas ça. Nous sommes tous en Christ. Et nous devons tous chercher à grandir dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Et nous devons tous chercher à édifier les autres. Que tu sois de Paul ou d'Apollos, nous sommes tous en Christ et Christ est à Dieu. Nos vies sont cachées en Christ. Donc Dieu veut que nous puissions tous grandir, nous puissions tous à dépasser ce stade-là des enfants. Nous devons quitter la jalousie, quitter la haine, quitter les disputes, avancer dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce en rentrant dans une autre dimension de la vie spirituelle, à quitter ce stade des enfants, à quitter ce stade charnel, vivre selon l'Esprit, car c'est le temple du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Glorifiez Dieu dans ta vie, car tu as été racheté pour sa gloire, tu as été appelé pour le servir. Dieu t'avait choisi pour être son disciple. Continue à avancer dans la vie des prières, dans la méditation de sa parole et dans l'exhortation, dans l'étude de la parole. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu soit béni. Amen.